dans le cadre de cette opération Cœur de Ville, nous avions effectivement souhaité démolir les maisons hein, qui jouxtaient le cœur gothique hein, du XIIIe siècle de l'église Saint-Jean-Baptiste. Et à condition, ça c'était une demande très forte de la DRAC et de Madame Bourlet, l'architecte des bâtiments de France, c'était de reconstruire. Donc effectivement, devant cette situation, je n'ai pas voulu effectivement rentrer en conflit avec la Direction régionale des affaires culturelles et Madame Bourlet, donc on a monté un projet de reconstruction de ce petit îlot de maisons. Ça correspondait à 5 maisons d'habitation. Prévu dans ce petit îlot de reconstruction un thé, un salon de thé, hein, qui était fort demandé par nos amis anglais, parce qu'on a beaucoup de nos amis britanniques qui viennent visiter donc, le Cœur de Lumière et le centre d'interprétation agriculture. Et c'est vrai, ce qui manque un peu à Bourbourg, surtout le week-end, c'est un salon de thé. Donc c'est vrai que c'était prévu. Madame Bourlet est venue sur place hein, récemment pour voir effectivement ses travaux donc, de démolition et elle a bien dû convenir qu'effectivement cette ouverture du cœur gothique sur la place du marché aux chevaux, ben, c'était tout simplement magnifique. Et d'ailleurs j'ai reçu les DRAC de France, c'est-à-dire tous les DRAC des régions françaises et outre-mer et tous les directeurs des régionaux des affaires culturelles, ben, ils me disaient qu'effectivement c'était beaucoup plus joli comme ça. Hein. Voilà, donc on est dans cette situation-là. Madame Bourlet n'a pas encore donné sa réponse définitive, mais je pense qu'on va donc rester sur donc, un cœur ouvert sur l'espace public.